Bienvenue à vous dans votre tranche chocolatée pimentée. Des moments de détente, de découverte et de nostalgie. Chocolatée pimentée, à ne pas manquer. Chaque mercredi, jeudi et vendredi, de 10h à 12h, avec Arsène Camango. Allez, Arsène, vas-y, pimente-nous ça. Et nous voilà pour la deuxième partie de l'émission. Maintenant, nous revenons, on était entre Paris, Bruxelles, et maintenant nous revenons en plein Kinshasa, Nakata Kinshasa, la capitale de la RDC. Encore une fois, merci beaucoup à Francis Kakonde depuis Bruxelles, avec Zap Congo FM, pour nous avoir fait, avoir brossé Makamoho et Tali, annulation, il y a concert, Nengi Komi, Kolanana, tout ça, et on attend la suite. La suite, évidemment, quand je dis la suite, c'est pour c'est avec Félix, Kofi... 10 ans, waouh, tu t'imagines. Et, oui, 10 ans, ça passe vite. Hein. Ça passe vite, ouais. On s'en rend pas compte. Et quand tu cherches à comprendre les causes, tu vois que c'est quand même triste. Il a, il a parlé d'insatisfaits, de personnes qui souffrent. Mmh. Voilà, voilà, exactement. Insatisfait politique. Comme insatisfait politique. Mmh. On va où là? Eh bien, affaire à suivre. Alors maintenant, nous passons à la deuxième partie de l'émission, comme je vous l'ai dit. Et nous avons... une autre invitée, l'invitée que nous avons sur notre plateau ici en direct. Elle s'appelle Mehdi Emongo. Mehdi Emongo sur votre plateau de pimenté chocolaté. Nous lui disons, avec Yaku Kisomi, nous lui disons, et Mehdi Emongo, bonjour, Jambo Mbote. Bonjour. Ah, vous avez entendu, elle a une très belle voix. Hein? Mmh. Et on va savoir pourquoi. Parce que Mehdi a mis ici deux singles. Hmm? Ok, ça se comprend maintenant. Deux singles, n'est-ce pas? Oui. Ah. Et sur les deux singles, alors Mehdi, expliquez Bissona, nous. Oui, c'est vrai, Osa chanteuse, Osa chanteuse, Osa dans le. D'accord, il y a gospel, n'est-ce pas? Mm-hmm. Musique et gospel. Donc maintenant, explique-nous un peu en quelques mots, Mehdi et Mongo, Osali, Nani. Ok. Merci pour la parole. Mm-hmm. Mehdi Emongo, elle est artiste, chante gospel. Mm-hmm. Elle chante pour la gloire des dieux. D'accord. Pour atteindre les peuples des dieux, pour édifier le peuple des dieux. Donc, en bref, au fait. Et elle chante depuis combien de temps, Mehdi? Ça fait pratiquement une année. Une année et demie, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Waouh. Mm-hmm. Une année, donc juste une année. Oui, oui. Et avant, tu faisais quoi? Rien. et comme ça, brusquement? Oui. Deviens chanteuse? Ouais, enfin, je chantais déjà à l'église, voilà, à la maison. Voilà, c'est ça. Attends, si je comprends bien, elle veut dire qu'elle a une année de carrière. Voilà, c'est ça la nuance. Bon, ça fait une année que tu as sorti tes albums, si je comprends, tes singles, si je comprends. Oui. Okay. Ah, c'est ça. Bon, ça ne veut pas dire que tu as commencé la musique il y a une année. Non. Ah, voilà, nuance. Là, on est d'accord. Donc, déjà à l'église, tu chantais déjà. Mm-hmm. Quelle église? Je chantais dans des groupes. D'accord. Mais là, je prie, j'ai pris à Philadelphie. Philadelphie, chez le pasteur Atoms. Oui. Là, je suis d'accord. Encore en train de. Je suis dans des affermissements et tout. Je n'ai pas encore intégré un département. Mm-hmm. Mais hormis ça, je suis là, je presse deux fois, je chante dans. D'accord. Oui. Mais tu restes servant de l'Éternel parce que tu chantes pour lui. Oui. Exactement. Mais à part ça, tu es étudiante, tu travailles quelque part, ou alors tu fais que la musique? Je suis étudiante. Uh-huh. En? En deuxième graduat, je passe en troisième. Je suis à l'ISP Gombe. Oui. ISP Gombe, il y a le droit? Enfin, je ne fais pas le droit. Tu fais quoi? Je fais l'accueil et tourisme. Ah, d'accord. J'ai cru entendre le droit. Mm-hmm. Okay. D'accord. Ah, accueil. Ben alors, nous t'accueillons déjà bien. C'est ça. Et parle-nous maintenant de tes deux singles. Okay. Le premier single, la première chanson, la deuxième chanson. Parle-nous un peu de ces deux singles. Ok. Déjà, le premier single, le titre, c'était « Je sais que tu es là ». Mmh. Et pour le deuxième single, c'est Entouré. Mmh. Donc je ne sais pas si vous essayez de comprendre, il y a une liaison entre le premier et le deuxième.
Je sais que tu es là et entouré. Eh ben, je veux expliquer en bref. Déjà, je sais que tu es là, ça explique juste la protection des dieux. Ça explique juste, on est en train de dire que peu importe ce qu'on peut traverser, peu importe les difficultés, les problèmes qu'on peut avoir dans la vie, on sait que Dieu est là. Mmh. Malgré le désespoir, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, des incertitudes dans la vie. Mmh. Et on doit au fait être conscient que Dieu est là. D'accord. Voilà pourquoi j'avais... c'était ça le titre, je sais que tu es là. Mmh. Et pour Entouré, il y a eu une liaison avec le premier single. Entouré veut tout simplement dire qu'on est au fait... comment on appelle ça, équipé par Dieu. On est équipé par Dieu, on est mmh. protégé par Dieu, on est entouré par Dieu. Mmh. Donc, c'est ça, au fait. C'est ça. Alors, Médé Mongo, tu es là? Je suis là. Eh bien, je sais que tu es là. Près de moi, je sais que tu ne changes pas. Comme dit, je sais que tu ne changes pas. Comme des heures, je sais que tu es pour moi un abri. Je sais que tu es pour moi un refuge. Talisa, reconnaissance ya mote mananga. Oyo nazande komo nanga e, na bomo inanga e zande bikamwa. Lelo na yende kutalisa, gratitude ya mabanzo nanga. Oyo nazande kubikanga e, na bomo inanga e zande bikamwa. Olembite ko batela ko bokola ko pamola. Olembite ko batela ko bokola ko pamola. Tapela lembi ote. Je sais que tu es là, Mehdi. Waouh, bravo. Merci. Ça, c'est la première expérience, premier enregistrement en studio. Oui. Première fois. C'était où? Dans quel studio? Chez le papa Cèdre, vers, je crois, Delvaux. Dumbo. Delvaux. C'est à Delvaux, hein? Mm-hmm. D'accord. C'est là-bas que tu as tout fait, les deux chansons. Mm-hmm. Qui a composé? Hein, la question qui fâche. Une question comme ça, on ne répond pas directement. Okay. Ah, bon, déjà, c'était un feat avec quelqu'un. Ah, ok. De l'église toujours? Non, c'était juste un frère. D'accord. On s'était au fait... Enfin, il avait composé, mais il y avait des idées. Mm-hmm. Des idées... on s'était donné des d'accord. idées. Ah, vous avez fait un échange ouais, culturel, exactement. Artistique. Mm-hmm. Oui. Oui, d'accord. Et de là, vous avez fait sortir la chanson et ça s'est bien passé. Oui. Alors, comme tu es là, je suis là, et ben, lui, il s'appelle Yannick Mbuyamba. Il est là aussi, il est là pour le bulletin d'information. On va faire une petite pause, on passe la parole à Yannick Mbuyamba. Et nous revenons dans quelques instants avec notre invitée qui est sur le plateau. Elle s'appelle Mehdi Emongo. Elle est chanteuse gospel. Mais tout de suite, le bulletin d'information. On est ensemble, y'a pas de soucis. Près de moi.
près de moi. Je sais que tu ne changes pas. Comme disent, je sais que tu ne changes pas. Je sais que tu es là, Deepika. N'est-ce pas, mon préféré Deepika, ça va? Ça va très bien, Arsène. Ça fait un plaisir encore de nous retrouver sur les ondes ensemble. Ouais. Après la Terre et ses merveilles. Après la Terre et ses merveilles. J'ai fini de manger ma dose de lycopène et je crois que c'est bon. Oh, ça va, lycopène, lycopède. On appelle ça tomate. Lycopène à Lingala. La vie est là. Et salade. Tomate. Et en japonais? Tomato. Reconnaissance ya motema nanga. Oyo nazande komunanga e. Na bomoi nanga e sande bikamwa. Lelo na yende kutalisa. Gratitude ya mabanzo nanga. Oyo nazande kobikanga e. Na bomoi nanga ezande bikamwa. Olembite kobatela. Bon, eh ben j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Je sais que tu es là, je sais que vous êtes là, je sais que nous sommes là. Mais d'abord, je sais que tu es là. C'est la chanson, cette belle chanson que vous êtes en train de suivre, à la signature de Mehdi Emongo, qui est artiste-chanteuse gospel. Et Mehdi nous a expliqué que la chanson, là, elle l'a travaillée. C'était un travail à deux. Et se sont mis deux personnes à travailler cette chanson. Et voilà ce que ça donnait. Alors, je répète tout ça pour notre cher Deepika qui vient d'arriver, qui découvre aussi Mehdi et Mongo. C'est un nouvel album. C'est tout nouveau. Ça vient de sortir, n'est-ce pas? C'est un single. Là, faut que tu parles, parce que là, je te jure... C'est un single. Quand tu fais ça à la radio... Personne ne voit. À la télé, ça va, mais à la radio... C'est un single. D'accord. Et le single, il y a un clip. Tu as clippé la chanson? Oui. Ah, ok. Et c'est le premier que vous sortez de votre carrière artistique? Le deuxième. Le deuxième. Mmh. Et si c'est le deuxième, ça veut dire que vous avez un modèle que vous aimez beaucoup? Parce qu'il y a une sous-question qui suit. Pas une sous-question, mais il y a une observation. Ah, et c'est lequel des modèles dans ce monde artistique religieux gospel? Je sais pas si ça va choquer certaines personnes. Ah bah non, ben non, non, mais nous avons tous des modèles. Hein. Je suis. On a fait la troisième guerre mondiale. Ah bah oui. Bon, si je peux répondre, enfin, je pourrais dire que je suis mon propre modèle. Enfin, j'ai pas de. T'as pas de modèle au niveau de la voix? Non. Okay. J'ai fait au fait du moins. Mais en dehors de toi, tu écoutes de la musique. Exactement. Qui entre autres? Maman Nadège, le pasteur Atom, maman Déborah, maman Sandra. Werason. Voilà. Je le savais, vous savez pourquoi? Parce que vous faites du vous. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a un peu de... Dans votre voix, il y a de la sœur Nadège. Ah ok. Elle a cité, effectivement. Voilà. Donc en fait, pour un peu revenir à ce que dit Deepika, il y a le travail, ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Voilà. Donc sans le vouloir, tu le fais, mais ça... Il y a quelque chose que tu vois. Ouais. Un esprit qui est là et puis qui t'envoie et tu te lances. Et voilà ce que ça donne. Ça donne maintenant ce travail artistique. Et ça a pris combien de temps pour arriver là? Ah, je sais que tu es là. Tu as fait ça, t'a pris combien de temps? J'ai débuté. Déjà, le premier single, on l'a sorti le 20 février. Ouais. 2021. D'accord. Et pour le deuxième single, je crois que c'était au mois de septembre. 2021 toujours. D'accord. Donc, il n'y a pas longtemps. Enfin, non, il n'y a pas longtemps. Et le deuxième, le titre, c'est Entouré. Entouré. Alors on va s'entourer avec cette chanson pour écouter Entouré. Je suis consciente que tu m'entoures de quatre coins, oui, tu m'entoures. Même quand je suis dans la fosse au lion, j'ai pas peur, je sais que tu m'entoures. Yeah.
mafuta. Eh mafuta. Et eh ben là, j'ai l'impression qu'on a coupé le son, là. Qu'est-ce qui se passe, là, Francis ? Comment l'entrée de Claude ? Oui, Francis, qu'est-ce qui se passe ? Ça, ça doit être Claude Toumba qui est là, qui est dans... La connexion ? Ah, d'accord. Bon, eh ben c'est simple. Alors, ma question, on vient d'écouter la chanson « Entouré », n'est-ce pas ? Exactement. J'adore. On n'est pas à la télé. Désolée. Voilà, Claude, regarde comment elle répond comme ça. Mais à la télé, oui, mais à la radio, quand tu fais ça... Quand tu fais ça, quoi ? Comme ça. Comme, comment ce que je fais. Quand comme on hoche la tête à la radio, personne ne voit. Ah, j'adore. Exactement. Quand je fais ça, quoi. Quand je fais ça. Comment. Comme ça. Quoi. Ça. Alors, pour cette chanson, le titre Entouré, tu t'es bien entouré. Ouais. Avec qui. La guitare, la batterie, au synthé, au mix, c'était qui était là. Ray D'Isolele était là. Pardon. Ray D'Isolele, il était là. Non, non. Oh, vraiment, Ray était même pas là. Et pourtant, je l'ai vu tout à l'heure, là. Ouais. Bon, passons. Alors, qui était entouré pour entourer cette chanson? Qui t'a entouré pour entourer pour écrire la cette chanson? La chanson entourée. Oui, la chanson entourée. Je m'y perds. Jonathan Diaf. Ah, c'est oui. C'est lui, non? Non, c'est pas lui. Et Jonathan Diaf, il a fait quoi? Il a joué la guitare? C'est lui qui a fait les arrangements? Il a écrit. D'accord. Mmh. Il a écrit, puis on a ajouté certaines choses. Oui. Comme le premier single. Et à la guitare, les arrangements, comment ça s'est passé? Avec certaines personnes anonymes. Anonymes ou qui veulent garder l'anonymat? Anonyme et qu'on ne connaît pas. Ouais. Apparemment, elle est... Elle enfin, on préfère car les ben noms, voilà. Ce que je constate ici, dans Entouré, on est dans un autre style musical. Effectivement. Ouais, mais ça, c'est pas du Nadège. Hein. Non. Non, non, du tout. C'est pas du Nadège, c'est un autre style. C'est pour te dire qu'elle écoute beaucoup de musique. Non, mais... Voilà. Ah non, non. Là, vous inscrivez un peu en faux. Comment ça? Pourquoi est-ce que ma voix a un écho? Ta voix a un écho? Quand vous parlez, c'est plus posé, mais moi, quand je parle, il y a un écho. Bon, ben d'accord, faut, c'est pas grave. Il faut que tu fasses... C'est le lycopène. Alors... Bon, tomate. Bon, on arrête de rire, c'est bon. On revient sérieux, ok. Voilà. Alors, c'est ça que je dis. Ce qui n'est pas facile. On peut baisser le tapis, il peut être vraiment tapis, s'il te plaît. Merci. Alors, moi je dirais, là vous inscrivez un peu en faux. Moi je parle d'abord du timbre vocal. Mm. C'est un timbre qui s'apparente à celle de la sœur Nadège, mais utilisé autrement, d'accord, à la sauce de la sœur Mehdi. Voilà, Mehdi. C'est ça que je dois dire. Pourquoi? Oui. Parce que certains s'y perdraient en disant, oh mais c'est pas la sœur Nadège. Mais en écoutant mieux, non, c'est pas elle. Mm-hmm. C'est pas elle, c'est pas son style, c'est pas son genre. Mais là, maintenant, on reconnaît que c'est la sœur Mehdi. Exactement. Mais par contre, la rythmique, ça c'est pour arriver à ma question, la rythmique est totalement différente de cette adoration, de cette magnifique adoration que nous venons d'écouter. Là, maintenant, c'est un son un peu plus saccadé, où on retrouve un peu comme du reggae ou du dance, R&B. Non, même pas d'R&B. Reggae dance soul. Reggae dance soul. Reggae dance soul. Un peu de salsa. Un peu de salsa aussi. Explique-nous. Ça change un peu de ce qu'on on écoute dans le genre gospel. Voilà. Ouais. Au fait, on a pensé à faire ça, de la musique urbaine, de fin, yes. On a voulu faire ça. Il est président de la culture urbaine, voilà. Ici donc, au Congo. Allez-y. On a pensé à faire ça, de la musique urbaine. On s'est vraiment rendu compte, dès qu'on a lancé, tout le monde
a aimé beaucoup plus les jeunes. Donc c'est un peu ça. Ça fait wesh quoi. Ouais. Ah ça fait wesh. OK. Ah mais c'est bien. Et déjà, beaucoup plus, quand vous avez lancé, les gens aimaient, comme vous êtes en train de dire, beaucoup plus les jeunes, c'est vrai. Et en retour, vous, ça vous fait quoi quand vous écoutez chanter ce genre de style que vous-même, vous êtes en train d'imposer en ce moment? Parce que c'est rarement qu'on écoute ce genre de style dans le gospel. Alors là, on peut dire que vous êtes, bon, pas la précurseuse, mais parmi les précurseurs. Parce que c'est rarement que les gens s'essaient dans des styles assez variés. Ça vous fait quoi? Mobutu, il a fait quoi? Je réponds. Aujourd'hui, il a 91 ans. Ah, ok. 14 octobre. S'il était vivant, il aurait 91 ans. Le président Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zapata. Maréchal. On vous écoute. Vous pouvez reprendre. Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Quand vous avez ce magnifique retour. Ça me fait pas du bien d'avoir ça. Comment ça? Je rends grâce à Dieu parce que je me suis rendu compte que ça atteint, ça a touché les peuples des dieux tout d'abord. Et pour ça, on est en train de rendre grâce à Dieu. Amen. On est en train de rendre grâce à Dieu parce que ça a quand même donné un bon retour. Ah, ouais. Voilà. Donc, c'est très important. Ça a quand même donné un bon retour. Mais enfin, j'ai reçu un commentaire d'une tante. Oui. Je sais pas, elle m'a dit un truc du genre... la première chanson, j'étais là dedans. Enfin, j'avais compris. Bon, toutefois. C'est une adoration. C'était. Je te sentais là à l'intérieur et tout ça et voilà. Mais elle m'a quand même félicité. Mais j'avais compris que, enfin, elle est une maman. Mmh. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que c'est des styles différents. Enfin, c'est ça. Il y a deux styles et tout ça. Oui. Mais quand même, je me suis rendu compte qu'on a beaucoup plus touché les jeunes aussi. Okay. Et c'est bien. Touché les et c'est jeunes bien, qui, tout à fait. Qui, voilà. Ouais. Et tu as un message particulier que tu donnes dans tes chansons? Exactement. Lequel? Lequel? À part Jésus. Voilà. C'est plus facile, Jésus, ça. Ça, c'est très facile. C'est très facile. Même trop facile. Oh! Un mercenaire. Un mercenaire qui souffre les autres. On y va. Mais au fait, je me dis, quand on fait les choses des dieux, on ne peut pas exclure Christ. Amen. Donc, la question, je ne sais pas comment répondre, mais dans tout ce qu'on fait dans les choses des dieux, il faut que Christ soit au centre. D'accord. Donc, absolument. Bon, c'est pour ça. Essayer de vous orienter, Christ au centre, en peignant la société chrétienne congolaise ou alors en élevant, en glorifiant sainement Christ, parce que ça, on le fait tous. Le fait de me réveiller, c'est déjà, louer grâce, Dieu. Ouais, c'est déjà une grâce. Voilà. Ne souffle pas. Hein. Bon, la question est un peu... pertinent. Moi, je vais te donner la réponse. Tu sais comment tu vas donner la réponse? Fais-nous un a cappella. De n'importe de la chanson. Un a cappella. L'une des deux chansons. L'une des deux chansons. Tu choisis la meilleure. Ah. Bon, celle qui te touche le plus en ce voilà. moment. Celle que tu sens. Celle que tu sens maintenant, là. Masia yonde pole nanga Osimbabo moi nanga Natiela kayo motema na raison Poyo sala ya mingi Yonde pole nanga Osimba bomo inanga Natiela kayo motema na raison Poyo sala ya tro Ya ya ye ye Magnifique. Il n'y a plus de questions là, parce que là vraiment tu nous as vraiment gâtés. Non, à part non, enfin, les projets, oui. Programmes. Exactement. Attends, excuse-moi juste un petit commentaire sur la voix que tu as de nous donner là. Ah, c'est velouté. Cette belle voix, tu vois, il y a une pureté dans sa voix là. Ouais. Chose de pur comme ça. Et on sent le côté l'âme, comment, le côté soul, tu vois, l'âme, le voilà. Le gospel. Le gospel. Voilà. Voilà, c'est ça, le gospel. Okay. On sent ça. Vraiment le gospel, c'est vraiment la voix qu'il faut pour le gospel. Et si je puis me permettre, tu m'as fait penser aussi à une grande dame, une grande chanteuse que nous avons perdue il y a des années. Ok. Pongolov. Oui. Ok. Tu l'as connue? Non. Oui. Je réponds d'accord. Mais tu la connais? Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de sa voix? On l'appelait la voix la plus limpide du Zaïre.
Oui, exactement. Enfin, elle avait une voix sereine. Absolument. Ah, ah, ah. Ouais. Alors, vous avez le genre de voix. Voilà. Voilà. Et c'est des voix qui emportent. Voilà. Ça te laisse pas indifférent. Mm-hmm. Et ça touche. Et ce qui est bien, c'est que vous l'avez mis au service voilà. du Très-Haut. Au service du Très-Haut. Et ça, c'est encore mieux parce que là, ça nous amène encore à une dimension spirituelle élevée. Ouais, c'est bien ça. Bah, on a assez de conseils. On l'écoute. Oui, parce que il y a aussi des gens qui disent, qui me disent, t'as une voix sereine, de nature, j'aime pas compliquer certaines choses. Je peux aussi faire des trucs, mais j'aime être simple. Okay. J'aime être simple. J'aime au fait que la fin, que ça ne soit pas la voix, mais que le gens sente l'âme. Aha, que le gens sente qu'on est en train de chanter avec l'âme, pas seulement avec la voix, mais qu'on sente de l'intérieur, au fait. Ah oui, ouais, c'est très bien ça. Magnifique. C'est ça. Et tu le fais très bien. Ouais. Mmh. Un programme. Un programme, genre ce qu'on compte faire. Ouais, oui. Ouais. Hein? Ne souffle pas. Ah ah. Ray, soyez. Ils ont triché. Ah non, pas ça ma réponse. On vous écoute. Allons-y, Mehdi. Ouais, déjà, on est en train de. On est en train de se préparer pour un concert. Pour un concert. Un concert pas particulier parce que on y est invité, je suis invitée. Ah, magnifique. Ouais, je suis invitée dans un concert de l'adorateur Emmanuel Badibanga. D'accord. Enfin, jusque là, on a encore lancé le Coming Soon, donc on n'a pas donné la date. Okay. Mais d'ici, je crois, le mois de novembre, tout sera OK. Donc, on va rester là. On va rester, on va adorer Dieu, on va parler des dieux, on va toucher les cœurs. Et voilà. L'opus, on le trouve où, le disque? Le single. Le single, c'est sur... C'est sur YouTube, sur iTunes, Spotify, Amazon, dans toutes les plateformes. D'accord, ouais. D'accord. Plateforme. Mehdi et Mongo, sur Facebook, on est là aussi. Oui. Sur la page, on est là, Mehdi et Mongo. Enfin, la même chose, en fait. D'accord, d'accord, et là, on te trouve. Yeah. Eh bien, Mehdi et Mongo, ça a été un grand plaisir. Mais vraiment, pour nous faire un grand plaisir, je ne sais pas, parce que l'émission est complètement finie. Mais alors, pour la terminer en beauté, eh ben, vas-y, donne-nous encore la beauté de cette voix emballante et embellissante. Donne-nous ta belle voix et on se dit au revoir avec ta voix. Mehdi. Voilà. Avec la même chose. Comme tu veux, c'est comme tu veux. C'est toi la chanteuse, c'est toi l'artiste. Ok. Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu. Oyo kaka mabondeli Yesu otombola kamokwe kombo na yo eleki nyonso kaka kutana motema na nga Yaka fandana mote maranga Yaka kotana mote maranga Kombuna yo Mehdi et Mongo que nous séparons avec cette belle chanson gospel. Je vous rappelle, c'est Kombona yo elunga qui vient de sortir ces deux singles qu'on a écoutés tout au long de l'émission. Merci à Jipika, merci à Kiaku, merci à Francis Seven Pro, merci Red Isolele, merci Claude Tumbanuti et surtout merci à vous tous, auditeurs et auditrices. On se retrouve dans notre prochaine émission et n'oubliez pas, Dieu vous aime. Bienvenue à vous dans votre tranche, chocolat et pimenté.